Mais dans le monde du hip-hop, c'est celle qui compte. Dimanche dernier à Paris a eu lieu la 6e rencontre internationale de Juste Debout, c'est-à-dire de la danse hip-hop mais sans figure au sol. C'est un vrai championnat du monde avec ses différentes catégories comme le lock, la pop ou la house. Voici Bruce Ikanji, Jay, Detson, Stéphanie, Loïc et Manu. Et tout de suite, une première démonstration de danse hip-hop. Bruce. Vous le faisiez très bien, Alain. Ouais. Ça me démange, en tout cas. Vous êtes sincère. Ouais. On sent qu'il y a un début. Faut les manger. Alors, Bruce, qu'est-ce que c'est que le juste debout? En fait, Juste Debout, c'est juste un concept, en fait. Parce que, en fait, la danse hip-hop, on connaissait à travers le break, donc la danse au sol. Et nous, en fait, on a décidé de faire un événement qui regroupe les 4 styles de danse prédominants debout, donc le hip-hop, le pop, la house et le lock. Et vous étiez un petit peu à genoux là, hein. Oui, oui, non, mais on a droit de faire des pauses quand même, enfin des petites phases à terre, mais principalement ça se danse debout. Donc voilà. Et c'est une association aussi. C'est l'association Juste Debout en fait qui a créé l'événement, qui a eu un grand engouement. Et... Oui, qui est très récent, hein, qui a été créé en 2002. 2002. Ouais. Et alors comment ça se passe des championnats de? Bah en fait, championnat, on n'aime pas trop ce terme parce que ça fait un peu sport. On dit meeting, rencontre, ouais. Même pas battle, on dit meeting, rencontre parce qu'on joue sur l'aspect convivial. Et franchement, les gens en viennent pour s'éclater. Enfin, même si y a de l'engagement dans la danse, en tout cas dans le respect, il y a vraiment. Il y a un jury qui décide quand même. Il y a quand même un concours avec un gagnant. Ça, c'est clair. Il y avait des concours de danse de twist quand on était jeunes, nous. Ah bon? Avec des gens qui twistaient pendant 2 jours, qui mouraient. Faut mourir de quelque chose, la vérole ou le twist. Il y a combien de pratiquants de juste debout, de danseurs de juste debout? En fait, il y a à travers la France, vous voulez dire? Oui, en France. En France, il y en a beaucoup. Je ne pourrais pas les recenser parce que ce n'est pas vraiment carré. Enfin, on essaie de. Mais il y en a beaucoup et il y en a de plus en plus. Il y a un grand engouement autour. Est-ce que c'est l'essence même du hip-hop, ça? L'essence même du hip-hop? Du hip-hop, oui, je pense. Je pense que, en tout cas, on essaie de conserver l'esprit de base, c'est-à-dire le respect, la convivialité et vraiment donner une bonne image des jeunes. Voilà. Alors, et ça, c'est quoi ça? Ça, ce sont les trophées. Vas-y, Dédi, qui a gagné ça, avec ça. C'est les trophées, justement, de la catégorie hip-hop
que j'ai gagné avec Stéphanie, une Danoise. Je pense que c'est une bonne chose pour les danseurs parce que ça a vachement une valeur pour nous de recevoir un trophée. On est jugé par nos pairs, quand je dis nos pairs, des gens compétents avec, avec l'œil qu'il faut avoir. Et plus le public autour qui connaît et qui ne connaît pas, mais on est content de gagner ce genre de compétition. On rencontre les meilleurs du monde. Et ça peut être en couple, hein, c'est ça, ou en individuel. En fait, c'est sur des binômes, en fait, la compétition. Voilà, c'est des duos. Ce sont des duos, mais on peut y aller en solo comme en duo. Quoi. Et c'est vous qui inventez la chorégraphie, ou comment ça se passe? Il y a des règles imposées? Il n'y a rien d'imposé, c'est vraiment ramener son monde, son univers, son style. Et maintenant, le but d'une compétition, c'est d'être le meilleur sur le moment. Les musiques ne sont pas choisies, ne sont pas prédéfinies, donc c'est... On vous les balance comme ça. C'est vraiment ça. Vous pouvez pas nous en faire un petit freestyle, là? Pourquoi pas? Pas de soucis. Ouais. Ouais. Je pense qu'on est en plein dans l'univers des marques. Hein. On est un avec peu le dans hip-hop les marques. Et le rap, c'est vrai. Non, mais... Hein? Ah ben eux, c'est la génération, ils aiment ça, oui, c'est sûr. Non, mais c'est bien. Mais répondez. Au-delà de ça, c'est vraiment, ça devient vraiment... c'est vraiment pour toutes les générations, quoi. On a tendance à limiter ça aux jeunes, tout jeunes de banlieue et tout, mais là, maintenant, ça s'ouvre. Il y a des jeunes bourgeois qui y vont, comme des vieux, comme des blancs, des noirs, il y a tout. Moi, je pense qu'on se fait plaisir. Il a raison, Bruce. On se fait plaisir et on fait plaisir et on choisit pas à qui on fait plaisir. Mm-hmm. C'est surtout ça, socialement ou... Lou, vous pratiquez? Une des premières choses, un des premiers modes de communication, c'est la danse. C'est-à-dire depuis la nuit des temps, c'est la danse et ça se voit parce qu'on le ressent tout de suite. Moi, mon fils, il est comme la chanson de T-Rex, il est presque sorti en dansant, mais comme, voilà, on danse. Une des premières choses qu'on fait, c'est qu'on danse. On danse et on écrit. Donc c'est magnifique parce que c'est revenir à ça et de le rater, c'est très triste. Ouais, c'est un langage universel, comme on dit. Ouais, c'est magnifique. Et vous improvisez, mais c'est toujours très travaillé. Il y a des choses, quand vous êtes tous les deux ensemble. C'est très travaillé. C'est du travail. Mais de temps c'est en temps, travail. Seul, vous faites un peu ce que vous voulez. C'est surtout ça, c'est laisser faire des mouvements, laisser l'écoute de son corps et réagir par rapport à ça. Et c'est pour ça que c'est instinctif et que vous ressentez des choses parce que c'est humain, c'est pas mécanique. Donc différent, ça peut être différent d'un moment à l'autre. D'un moment à l'autre, du matin au soir, on danse pas la même chose. D'accord. Le prochain clip, alors, vous dansez comme ça. Ah voilà, possible, maintenant il faut. Possible. Oui. Il faut que je m'entraîne. Il y a déjà une très belle chorégraphie dans le clip qui vient de sortir. Le service après-vente de Marie-Fred, c'est maintenant.